Alejandro Herbeta, argentino, doctorando en fotografía por la Universidad París 8 y su tutor de tesis, François Soulage. ¿Tutor de tesis está correcto o no? ¿Sí? Bueno, Alejandro Herbeta es fotógrafo, director del grupo de investigación Retina, Argentina, es doctorante contractual en la Universidad París 8, bajo la dirección de François Soulage y es miembro del laboratorio EA4010, IAC, Arte de las Imágenes y Arte Contemporáneo de esa misma universidad. Ha realizado exposiciones personales en Europa y en América y ha participado en numerosos festivales internacionales. Alejandro realizó residencias artísticas en la Escuela Nacional Superior de la Fotografía de Arles y en el Centro Fotográfico de la Île-de-France, CIPF. Realizó contribuciones en los libros Fronteras y Globalización, dirigido por François Soulage, y en Fronteras y Artistas, dirigido por Éric Bonnet y François Soulage. Actualmente prepara un libro de autor, Fronteras y Memorias, diario de investigaciones en la colección Retina. Creación dirigida por François Soulage. Y François es profesor de la Universidad de París 8 y del Instituto Nacional de Historia del Arte también en París. Ha sido director del laboratorio EA4010 Artes de la Imágenes y Arte Contemporáneo en la Universidad de París 8 y del Colegio Icónico de esa misma ciudad. Es fundador y director de los grupos de investigación Retina Internacional, Investigaciones Estéticas y Teoréticas sobre las Imágenes Nuevas y Antiguas y ECAC, Europa Contemporánea y Arte Contemporáneo, en cuyo marco organiza coloquios y publicaciones a nivel internacional. Es igualmente director de la colección Ediciones Klinksic, colección La Imagen y las Imágenes, y de L'Harmattan, colecciones E2 Local y Global, Fronteras y Migraciones. Publicó más de 10 libros de su autoría, todos traducidos a varias lenguas, y más de 40 libros bajo su dirección. Su campo de investigación actual son las fronteras geoartísticas, geoestéticas y geopolíticas, así como la estética y teorética, la estatización y politización de la imagen, del arte y de la fotografía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y les paso la voz a ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tanto como para mí como para François Soulage es un gran placer participar en estas jornadas de fotografía y educación en el Centro de Fotografía de Montevideo. Quiero agradecer especialmente a Daniel Sosa y a Verónica por la invitación. Es un gran placer estar en esta institución que para mí es un referente en América Latina, es un modelo muy interesante en relación a la fotografía. Estamos súper contentos de estar acá y vamos a tratar de abordar en esta jornada fotografía y educación la relación entre director de tesis y alumno fotógrafo, esta relación particular, y contar un poco la modalidad de nuestro trabajo y nuestra investigación, nuestro trabajo teórico, artístico al mismo tiempo. ¿Vous voulez dire bonjour? Oui. Buenas noches. Buenas noches. A todos. Muchas gracias a Daniel, muchas gracias a Verónica. Merci beaucoup parce que vous nous offrez la possibilité de réfléchir sur les rapports entre la photographie et l'éducation. C'est assez rare. Vous savez, de par le monde, il y a beaucoup de colloques sur la photographie et bien souvent, on parle toujours de la même chose, on a les mêmes points de vue, les mêmes problèmes. Et là, vous nous offrez quelque chose qui, à mon avis, est très important, de réfléchir sur la photographie et l'éducation, car dans le monde globalisé, aujourd'hui, il est difficile d'agir sur l'économique, mais il est nécessaire, je crois, d'agir dans deux domaines. D'agir sur l'éducation, où on va semer et on verra les arbres pousser dans une vingtaine d'années. Donc, savoir qu'il faut dépasser le temps présent. Et d'agir sur la culture, où alors là, on travaille sur 50 ans, 100 ans, sur plusieurs siècles. Bref. Il faut agir sur ce qui nous dépasse. Et en nous mettant le doigt sur la photographie et l'éducation,
vous nous obligez à voir un peu plus loin que notre petit horizon. Et je vous remercie, Daniel et Véronica, et tous, d'organiser de façon si professionnelle ces rencontres et de me permettre à moi de rencontrer beaucoup de gens que je ne connaissais que de nom et que j'arrive à connaître grâce à vous. Voilà, donc on va commencer. D'abord, je vais faire une petite présentation. Vous êtes professeur de l'université, professeur de cette université, et à l'Institut national d'histoire de l'art et à l'Université Paris 8. Vous avez écrit un livre dans les années 80-90 qui devient un référent pour la photographie. C'est l'esthétique de la photographie qui a été édité en plusieurs langues. C'est un livre très important en France. Donc, vous êtes un spécialiste de l'esthétique de la photographie. Mais actuellement, depuis quelques années, vous avez créé un groupe de recherche scientifique qui s'appelle Retine International. Et vous vous intéressez à des problèmes de caractère global. Ça veut dire que vous êtes un penseur de l'itinérance. Vous voyagez beaucoup, vous travaillez avec des universités de différents continents, Asie, Afrique, Europe, Amérique. Vous faites des collaborations avec des pays différents. Vous réfléchissez avec des gens d'autres cultures, d'autres pays. Si vous voulez savoir, la première question, c'est quel est le but pour vous de travailler avec des pensées, des cultures différentes. Je vais vous raconter une histoire. En 2006, j'ai organisé à Paris un colloque qui s'appelait « Photographie et corps politique ». Et sûrement grâce à Internet, des gens de par le monde m'ont demandé d'approfondir cette réflexion avec eux. Et j'ai accepté, sauf pour deux dictatures, où ça m'apparaissait impossible d'aborder des problèmes de corps et des problèmes de politique. Mais avec plus d'une dizaine de pays, nous avons travaillé ensemble. Et nous nous sommes appris des uns aux autres un certain nombre de choses sur l'image. Et nous avons publié, j'ai publié une petite dizaine de livres, et je me suis aperçu au bout d'un certain temps que ce n'était pas tant le problème lui-même, photographie et corps politique, qui était intéressant, que de voir comment des gens différents pensaient différemment de moi. C'est-à-dire que je crois qu'il faut sortir d'un désir de certitude et d'une volonté de dogmatisme, et qu'il faut essayer de comprendre un peu comme le faisait Foucault quand il étudiait l'épistémé des choses, c'est voir pourquoi il y a des images qui sont produites d'une certaine manière, des discours qui sont produits d'une certaine manière, des interrogations en fonction des cultures de chacun et des disciplines de chacun et des pratiques de chacun. Donc ce qui m'intéresse vraiment, c'est, en français il y a deux mots, c'est l'international et l'étranger. International, ce que j'aime dans ce mot, c'est l'inter. C'est l'inter qui est donc la mise en place d'un pont entre des groupes, des personnes différentes. Et c'est l'étranger, c'est savoir que l'autre est toujours différent de soi. C'est donc faire l'expérience à chaque fois de cette étrangèreté et de cette étrangeté. Et donc, voyez-vous, nous sommes au cœur du problème de l'éducation. L'éducation, en latin, ex ducere, c'est conduire quelqu'un ex en dehors. Et ça, je crois que c'est très important. Parce que le ex, on va l'entendre dans le mot exister, c'est starer, se poser en dehors. Et donc, c'est non pas être un sujet fixé définitivement, mais c'est un sujet qui doit être hors de lui, hors de soi, un sujet en mouvement.
Et l'éducateur, comme le disait Gaston Bachelard, doit lui-même être éduqué. Si l'éducateur n'éduque pas, il n'y a pas des véritables... Si l'éducateur n'est pas, ne cherche pas à s'éduquer lui-même, à être éduqué par celui qui l'éduque et par le monde, il n'y a pas d'éducation. Il y a des pratiques qui sont du bourrage de crâne, de la manipulation des esprits. Ça, nous savons faire. Or, la photographie, que fait-elle ? Elle nous éduque. Elle nous sort de nous. Nous faisons l'image avec difficulté. Mais l'image, elle est différente de nous. Même, peut-être surtout dans l'autoportrait. L'autoportrait, ce n'est pas faire une image à l'image de soi, mais c'est de travailler une image de soi qui ne correspond pas à notre image de départ. Et vous voyez, c'est cette sortie qui me paraît intéressante. Et permettez-moi encore un exemple. Je crois que je préfère les élèves aux étudiants. Les étudiants, ce sont des gens qui étudient, qui deviennent parfois des érudits. Les élèves, c'est ceux qui s'élèvent. Et c'est ceux qui vont donc monter, qui s'élèvent comme les arbres, peut-être comme les oiseaux. C'est ceux qui quittent le point de départ et qui sont out of the box. Il faut apprendre aux gens, justement par la photographie, à faire cette sortie. C'est très intéressant. Vous vous intéressez particulièrement à l'Amérique latine. En fait, vous faites des travaux avec les Brésil depuis plus de 10 ans. Vous faites des présentations, des colloques, vous faites des livres, des publications des livres. Aussi, vous travaillez en Chili, en Équateur, maintenant en Argentine et bien sûr en Uruguay. Pourquoi cet intérêt particulier pour l'Amérique latine ? Je crois que c'est parce que l'Amérique latine, pour un Français, pour un Européen, c'est le continent de son enfance. C'est-à-dire que c'est un pays dont on a rêvé quand on était enfant. Alors, bien sûr, ce dont on a rêvé n'a rien à voir avec la réalité. Mais l'Amérique latine, pour quelqu'un de ma génération, c'est aussi le continent de son adolescence. C'est le continent de l'espoir politique qui a pu naître parfois et qui a été déçu parfois. Mais c'est aussi un continent de maturité, un continent d'espoir. Quand je regarde ce qu'était l'Amérique latine il y a 40 ans, et aujourd'hui, je vois des choses magnifiques se produire, et ce, dans nombreux pays. Oh, je sais bien que tout n'est pas réglé, c'est normal. Pourquoi voulez-vous que les choses se règlent au moment où l'on passe sur Terre ? L'histoire est tragédie, et il n'y a aucune raison que, parce que nous arrivons comme ça, tout se règle. Mais j'avoue qu'hier soir, un élan de joie m'a pris. Et je l'ai transmis par mail à mes amis en Europe qui ont retrouvé de l'espoir. J'ai reçu il y a une heure un mail où il y avait plus d'espoir que dans notre vieille Europe. Et quatrièmement, c'est un continent avec lequel je crois l'Europe devrait travailler beaucoup plus. En tout cas, l'Europe latine, l'Amérique latine, nous avons des racines communes et nous sommes très différents. Et il est certainement, à mon avis, plus facile de travailler, nous sommes plus voisins qu'avec certaines parties d'Afrique. Je travaille avec l'Asie du Nord-Est, c'est beaucoup plus l'expérience de l'altérité. Et après, il y a des circonstances, il y a des hasards. La vie m'a amené en Amérique latine et maintenant, je suis un peu amoureux de l'Amérique latine,
et de tout ce qui peut se passer. Et c'est aussi parce que l'Amérique latine est un manteau d'Arlequin. Je veux dire par là, chaque pays a son originalité, chaque région des grands pays ont leur originalité, et nous ne sommes pas face à des grains de riz identiques les uns aux autres. Nous sommes face à du divers, du mouvement, et je trouve que l'Amérique latine nous apprend qu'il y a un futur, qu'il y a un espoir, qu'il y a une politique et qu'il y a aussi de la générosité. Vous avez fait plusieurs publications qui sont éditées en espagnol, en portugais. Est-ce que vous voulez nous montrer, nous parler un petit peu de vos livres? Oui. Je pense à l'esthétique de la photographie, voilà. À partir de votre travail esthétique. J'ai amené pour l'Argentine quelques livres et je les ai amenés ici. Bien sûr, le livre que j'ai publié à la fois en espagnol et en portugais, Esthétique de la photographie, n'est pas sans intérêt. Il y a ce livre auquel je tiens beaucoup, qui a été fait au Chili et qui s'appelle Estética y Fotografía à partir de François Soulages, dans la mesure où il concrétisait un travail avec des gens. J'ai pu aller plus loin grâce à mes amis chiliens, brésiliens, argentins qui sont venus à cette rencontre il y a 2 ans. Et ce qui est très bien, c'est qu'on a publié quelque chose. J'ai amené, mais là, ce n'est pas avec l'Amérique latine, un livre auquel je tiens, qui est photographie contemporaine et art contemporain. Mais reculons un peu. Dans cette réflexion sur photographie et corps politique, il fallait, par la photographie, s'éduquer, si j'ose dire, à une certaine éthique. Et j'entendais Véronica tout à l'heure en parler, éthique et esthétique, il faut relier les choses et c'est important. Et c'est pourquoi, avec mes amis argentins, il y a quelques années, nous avons fait ce livre, Photographia y Corpos Politicos, sur l'absence et la présence en Argentine. Et je citerai là ce livre qui est à la fois en français et en espagnol, qui a été fait donc à Grenade, à l'Institut de la paix et des conflits, photographie et corps politique, présentation du corps dans l'image contemporaine, Asie, Europe. Permettez-moi d'en citer encore 2 livres faits en espagnol que j'ai apportés. Le livre qui est sorti la semaine dernière, Fronteras, Conflictos y Paz, avec mon ami Pedro Sangines de Grenade. Et ce livre que j'ai fait avec mon grand ami Éric Bonnet, qui est à la fois artiste, théoricien, et avec lequel je travaille de façon très près, Memoria territorial y patrimonial, Artes et Fronteras. Éric Bonnet avait une étudiante qui était du Pérou. Petit à petit, nous avons décidé de faire avec elle un colloque sur les frontières et sur les arts, sur la géopolitique telle qu'elle peut être animée au Pérou. Et c'était il y a 2 ans. On était près de Lima et un livre est sorti. Et Eric me montrait hier un texto que lui envoyait cette personne, Julia Zévalos, et qui continue dans une autre perspective, au mois de mars, je crois, toujours sur la question des frontières, et ça, au Pérou. Et là, je trouve que c'est bien. C'est quand l'étudiant vole de ses propres ailes et construit son monde à lui, qui ne doit jamais être la réplique du monde de son directeur. Nous ne sommes pas là pour nous reproduire en tant que professeur, nous sommes là pour permettre à des gens de développer leur particularité, leur singularité. Marcel Legault fait une distinction entre la paternité d'autorité et la paternité d'appel. Je crois que c'est une paternité
éducation d'appel qui est importante. C'est développer, c'est travailler, dirait Kant, au niveau du transcendantal, des conditions de possibilité du développement des autres. Alors c'est vrai pour la photographie, c'est vrai pour le reste, mais la photographie est tellement riche que ça marche encore mieux. Pourquoi elle est riche, la photographie ? Elle est riche, je crois, parce que la photographie restera toujours la petite image, la toute petite image, l'image que l'on peut ne pas voir. Et c'est parce qu'elle est toute petite qu'elle a de la valeur. Et c'est parce qu'elle est toute petite, la photographie, qu'elle nous amène ailleurs, qu'elle nous éduque. Car ce sont les petits qui nous éduquent et non pas les gens qui tiennent des grands discours ou qui font des grandes photos de 20 mètres sur 20 mètres. Toute petite image, et c'est une image qui alors peut être belle et rebelle. Belle, c'est-à-dire qu'elle nous ouvre, elle nous éduque à la beauté, mais rebelle dans la mesure où elle nous résiste. Et c'est bien qu'il y ait une résistance de l'image. C'est très, très riche, très intéressant. On pouvait parler pendant des heures. Peut-être on va revenir à la relation particulière entre élèves photographes et professeurs. Je vais raconter brièvement, très brièvement, les parcours des connaissances, comment nous avons rencontré et qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement. Je vous raconterai la première fois à l'Université Paris 8, dont j'étais étudiant, dans votre cours esthétique et existence. Nous avons pris connaissance, et puis après ce cours qui m'a marqué énormément, la lecture de votre livre, je vous rencontrai occasionnellement au cours des années, et en 2012, vous m'invitez à participer à une journée d'études à la INHA, l'Institut National d'Histoire de l'Art, sur la problématique de local-global, que vous travaillez à ce moment-là. J'écris un petit article en tant qu'étudiant qui s'appelait « Identité viatique, histoire d'une famille des migrantes », où j'ai rencontré l'histoire de ma famille d'origine italienne. J'ai parlé à partir de mon travail photographique. En 2013, un an après, on a réfléchi ensemble et on s'est mis d'accord pour faire une thèse. Les titres de la thèse, c'est « Mémoire et reconstruction d'histoire individuelle, familiale et collective, approche photographique ». Et la particularité de cette thèse, c'est que c'est une thèse pas complètement théorique, et c'est une dialectique et une articulation entre les travaux artistiques et les travaux théoriques, entre les sensibles et l'intelligible. Et toutes les réflexions que nous allons travailler dans la thèse sont à partir des problématiques existentielles, des problématiques personnelles de ces travaux artistiques. Je voulais savoir, j'ai plusieurs questions, je vais être bref. La première question, c'est quel est l'intérêt pour vous, en tant que philosophe, de travailler avec un praticien de la photographie ? C'est parce que quand j'avais 20 ans et que j'ai commencé à m'intéresser à la photographie, j'ai eu la tendance pendant 3 mois de plaquer sur la photographie les discours philosophiques que je connaissais. Et j'ai compris que je passerais à côté. Il a fallu donc que je m'immerge à la fois dans les images, toutes les images, et que j'écoute au plus près ce que j'appelle les fables des photographes, et que je regarde comment ça se passe, et que je les accompagne. Et il va de soi que chaque étudiant qui arrive me permet de m'enrichir, parce qu'il m'amène des problèmes que je ne sais pas résoudre, voire que je ne m'étais pas posé. Et c'est pourquoi, quand j'ai accueilli votre demande, ainsi que la demande d'autres jeunes gens et jeunes femmes, je suis toujours enrichi par tout cela. J'apprends en essayant de vous apprendre.
Et j'apprends à deux niveaux, au niveau esthétique, si vous voulez, ou théorique, mais aussi au niveau humain. Parce que mon rêve, et c'est ce que j'essaye de faire parfois dans certains lieux, c'est de travailler avec des gens très différents de moi. Un professeur de philosophie m'apportera beaucoup moins qu'un photographe, mais quelqu'un de la vie civile m'apportera beaucoup plus qu'un photographe. Plus les gens sont différents, plus ils vous apportent. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, je vous ai proposé, après, de prendre ce que vous aviez fait à l'état de projet et de risque et de balbutiement et d'hésitation et de faire un livre. Et ce livre, c'est « Frontières et mémoires, journal de recherche 2014 ». Ce livre est sorti il y a 10 jours et je suis très content qu'il soit là. Moi aussi. Parce que c'est, vous savez, il faut être, c'est comme la photographie. Il y a le photographe, ceux qui est photographié, deux, et ça fait trois, l'image. L'éducation, c'est pareil. L'éducateur, l'éduqué, et trois, c'est ce qui en sort. Oui, une chose qui m'a vraiment étonné quand j'ai assisté à vos cours, et actuellement c'est aussi également comme ça, c'est que dans vos cours, il y a des étudiants de toutes les nationalités. On peut rencontrer une personne de Chine, de Corée, Japon, d'Argentine, de Brésil, de Grèce, de Turquie. Je pense que c'est très très riche. Je voulais faire une question par rapport à ça, parce que ce que vous êtes en train de faire avec moi, l'édition du livre, m'accompagner dans des manifestations, apprendre à faire des colloques comme on vient de faire en Argentine. Vous les faites aussi avec tous les étudiants dans différentes nationalités. Vous réfléchissez avec les étudiants, vous voyagez avec les étudiants, vous assistez à un colloque international. Les étudiants se confrontent à différentes problématiques. Ils écrivent, ils réfléchissent, ils publient des livres. Est-ce que ça fait partie de cet aspect de la formation? Est-ce que c'est important pour vous? À mon avis, c'est très important pour deux raisons. Premièrement, les étudiants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, parce qu'il y a une massification mondiale de l'éducation. Alors on peut profiter de cette massification pour faire une université payante et développer donc du business. On peut aussi entendre cette massification, c'est-à-dire avoir des gens qui n'ont pas été formés comme on a pu être formé il y a 100 ans, 50 ans, voire même 40 ans. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'a toujours intéressé dans le métier d'enseignant, c'est de faire de la politique au niveau micro-global, micro-local. C'est-à-dire de faire en sorte que nous n'essayons pas de sauver le monde. Ça serait même très dangereux si l'un d'entre nous pouvait sauver le monde. Parce que, est-ce qu'il le sauverait ou est-ce qu'il ne le coulerait pas? Mais ce qui est à mon avis important, c'est d'agir avec les gens avec lesquels notre métier nous met en contact. Moi, je suis professeur, je pourrais être infirmier ou faire autre chose. Et c'est à ce niveau-là que ça doit se jouer. Et donc, l'éducation, elle se joue, à mon avis, à ce niveau-là. Alors, pourquoi il y a des étudiants étrangers? C'est parce que mon université, qui a beaucoup de défauts, a aussi beaucoup de qualités et a ses bras ouverts pour les gens du monde entier. Et je voyais hier la maire de Montevideo, qui est restée en exil pendant un certain nombre d'années en France. C'est quelque chose qui est intéressant, enrichissant pour la France, enrichissant pour Montevideo. Et c'est pourquoi, avec Éric Bonnet, c'est une des raisons pour laquelle, avec Éric Bonnet, nous avons choisi comme champ de recherche, depuis 2012, les frontières. Parce que ça interroge tout cela. Nous avons publié ce premier livre, Frontières politiques et frontières géopolitiques et géoartistiques. J'ai amené aussi ce livre sur les biennales d'art contemporain et les frontières. Et nous avons publié là plus d'une vingtaine de livres en 3 ans. Et nous publierons certainement en 4 ans une trentaine ou un peu plus de livres
avec des pays différents, des collaborateurs différents. Nous impliquerons avec cette trentaine de livres, par exemple, certainement près de 500 personnes. C'est ça ce qui est intéressant. C'est que d'autres gens participent parce que c'est eux qui vont nous apporter quelque chose. Vous pensez bien qu'une petite personne ne peut pas avoir un point de vue multiple. Nous ne sommes pas comme les mouches qui ont l'avantage d'avoir plusieurs yeux et de voir dans des tas de directions. Nous avons malheureusement que deux yeux, deux jambes et deux bras. Alors comment vous... Il faut donc se donner la main pour avancer. Oui, c'est très... Et en fait, justement, on a travaillé à Buenos Aires, en Argentine. On a fait un colloque qui vous m'a aidé énormément, vous m'avez conseillé, justement sur ces problématiques des frontières d'immigration, aller-retour. Et on a invité des gens de France, de l'Espagne, on a des chercheurs argentins, des artistes. Et ça a été très, très riche. Et je voulais revenir à notre travail de thèse. Et c'est vous qui avez mis en place cette problématique. Moi, je l'ai simplement portée. Vous savez ce que disait Socrate sur le philosophe, c'est la maïeutique, c'est la sage-femme. La sage-femme ne fait pas les enfants, mais c'est nécessaire, une sage-femme. Voyez-vous, oui. On a tous besoin de quelqu'un qui nous aide et on s'entraide. Voilà. Oui, pour moi, ça a été une expérience très, très riche parce que notre thèse, c'est pas seulement une thèse théorique, c'est pas seulement une thèse pratique d'un travail artistique en tant que photographe. Sinon, vous m'apprenez, bon, on a les livres qui viennent de sortir comme point de départ de notre thèse. Ça va être un processus de travail artistique et de réflexion. Mais aussi, vous m'apprenez à faire de l'organisation des colloques internationaux, des présentations des livres, me confronter, et écrire, penser. Mais en plus de tout ça, j'ai l'impression que la transmission, je voulais aborder la question de la transmission avec vous. Tout ça, ça va, notre relation, ça va au-delà de la transmission de la connaissance théorique. Ça veut dire que oui. On a un rapport en tant qu'être humain qui est un rapport étroit et profond. On réfléchit. Et je voulais savoir. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voyez-vous, je crois qu'il est possible, je ne dis pas que c'est un devoir, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il peut. Vraiment, il y a des moments de notre vie où on peut faire beaucoup et d'autres moments où on ne peut pas faire. Et ne jugeons pas les autres, essayons d'être un peu moins mauvais chacun. Et personnellement, je trouve qu'il faut aider l'étudiant à faire sa thèse. Et quand la thèse est faite, et si elle est de qualité, c'est la publier. J'ai publié un assez grand nombre de thèses de qualité uniquement de mes doctorants. J'ai même organisé deux fois des colloques autour des travaux de mes étudiants en thèse, qui étaient docteurs, et j'ai publié après les actes de ces colloques. Je crois qu'il faut pousser, accompagner au maximum. J'ai la chance d'être éditeur. C'est pour moi dans une continuité avec différence du travail de professeur. Mais aujourd'hui, étant donné le système, nous sommes dans un néolibéralisme extrêmement dur, et s'il y a bien 3% ou 5% de la planète qui sont des héritiers qui n'ont pas besoin de moi et qui ne m'intéressent pas, nous devons essayer d'aider les gens qui essayent d'avancer. Je veux dire par là, leur dire... Ne soyez pas des rats de bibliothèque, mais pensez que demain, il faudra trouver du travail. Et donc, leur transmettre les deux, trois choses que je sais pour organiser des colloques, réfléchir, faire des livres, etc., etc. Ça me paraît important. Alors après, ça dépend des caractères. Il y a des gens avec lesquels on s'entend beaucoup mieux que d'autres, et d'autres beaucoup moins bien. Je demande toujours à mes étudiants de prendre beaucoup de temps avant de rentrer en thèse pour qu'ils voient tous mes défauts, et que justement ils s'enfuient si jamais ils ont l'impression que je suis insupportable, et je le suis certainement pour eux, pour un grand nombre, mais ceux qui restent, on peut faire du bon travail, et il y a ce que j'appellerais une amitié intellectuelle, c'est-à-dire quelque chose qui nous nourrit, qui est la recherche de la vérité, pourrait-on dire, l'amélioration de soi. Mais je dirais que la transmission, d'une part, ça se fait
sans parler, quand vous avez des enfants et que vous leur dites de faire des choses, c'est que ça se transmet mal. Autrement, vous savez, vous ne dites pas à vos enfants, voilà comment tu vas parler espagnol ou français. Non, vous parlez et ils parlent. Et je dirais que la transmission, c'est peut-être d'abord de transmettre aux élèves et aux doctorants, de transmettre des interrogations, le sens de l'interrogation, le sens du doute, le sens de l'autocritique. Là, je me séparerai un peu de Socrate, non pas de l'ironie, mais je dirais le sens de l'humour. L'ironie étant souvent assez méchante, mais le sens aussi du fait de donner. S'ils veulent avoir, recevoir, c'est tout simple, ils doivent apprendre à donner. Alors, je sais bien, Marcel Mauss, essai sur le don, complications, etc. Mais éduquer, c'est apprendre aux gens à donner. Je trouve que l'éducation, depuis l'invention de la télévision, est extrêmement négative, car on apprend à faire des enfants le centre du monde. On veut leur apprendre à être heureux. On veut leur apprendre à se défendre contre les autres dans la cour de récréation, à se développer. Bref, on en fait des égoïstes. La situation est particulièrement vive dans les pays occidentaux, mais elle est encore pire. Et c'est le grand danger des années 2040 avec la Chine, où il y a 1,3 milliard d'enfants uniques qui ont été considérés comme des rois par leurs parents et qui sont 1,3 milliard de tyrans potentiels. Mais nous aussi, nos enfants et nous-mêmes, nous pouvons être des tyrans potentiels. C'est l'opposé de l'éducation. Le temps est terminé, nous. On est arrivé au terme. Bueno, muchísimas gracias a todos por este primer día y seguimos mañana.